Ma toute dernière proposition pour ce Top 10 Tuesday. Quand souffle le vent du Nord de Daniel Glattauer. Probablement parce que je viens d'acheter la suite et qu'il me tarde de la lire. Mais voilà, un roman épistolaire pour une histoire d'amour entre les deux protagonistes qui s'écrivent des mails. Donc c'est assez actuel. Et donc il y a un jeu de séduction très prenant qui se met en place entre les deux. Et très vite, ils deviennent assez accros à leurs échanges. Il y a quelque chose en plus qui se passe. Ça les intrigue, ça les questionne. Ils le font en toute liberté, hein, ils se disent les choses. Ils parlent de beaucoup de choses aussi ensemble. Et voilà, j'aimerais avoir quelqu'un, un scénariste, quelqu'un qui propose une adaptation et qui nous permette de voir le reste de la vie de Léo et Amy, alors qu'ils sont en train, grosso modo, de la piller, de la saccager parce qu'ils choisissent de ne pas renoncer à leur correspondance de mail. Donc, voilà, j'aimerais voir cette extension de l'histoire parce que je suis bigrement frustrée par le roman épistolaire, même si ça me plaît. Voilà, c'était mon top.